L'église sénégalaise demande à ses fidèles de s'impliquer davantage dans la marche du pays. Une visite à la direction de l'automatisation du fichier pour rassurer. Tout le monde pourra retirer sa carte biométrique avant les élections législatives prévues en juillet. Déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Abdoulaye Daoudé Diallo. Le patronat sénégalais fait davantage dans le patriotisme économique. 87% de l'investissement privé qui a atteint 1 665 milliards en 2017 provient de nos chefs d'entreprise. Le secteur privé du Sénégal se dit apte à faire beaucoup mieux. Et puis le reportage du jour porte sur le Ramadan et les bonnes manières. Les attitudes changent et ça se confirme sur le marché. Les tissus qui favorisent un peu plus de décence ont la cote. Les clientes ne se bousculent pas encore mais affûtent sans doute leurs armes pour des tenues en mode Ramadan. Bienvenue et bonsoir à tous. Le président de la République a reçu en audience Serigne Mamor Maké, Ibn Serigne Murtada. Le guide religieux a salué les efforts de l'État dans l'enseignement supérieur arabe. Il a remercié le chef de l'État pour son constant soutien à l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. Il a également évoqué avec le président de la République sa tournée internationale afin de propager les enseignements du fondateur du mouridisme. L'ascension qui commémore la montée du Christ vers le ciel est célébrée ce jeudi, précisément 40 jours après Pâques. Cette solennité fêtée à travers le monde est l'occasion pour les célébrants d'appeler les fidèles chrétiens à être témoins de la foi. À la cathédrale de Dakar, les prêtres ont invité les paroissiens à ne pas être dans la contemplation, mais plutôt dans l'action des chrétiens actifs pour la bonne marche de leur société. Jean Dior. La montée de Jésus au ciel, qui désormais siège à la droite du Père, c'est ce vécu que les chrétiens du monde professent en ce jour de l'ascension du Christ. Au son du cor et des battements des mains, les fidèles sont appelés à être témoins de leur foi, mais aussi des acteurs pour toujours. L'ascension sonne l'heure de la responsabilité du chrétien, appelé à témoigner de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a touché du Verbe de vie, comme dit l'apôtre Jean. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est donc pas que contemplation, mais se veut aussi action. Et dès lors, il nous faut nous approprier les paroles du Saint-Père aux jeunes dans son message pour la journée mondiale. Le pape les invitait à ne pas être des jeunes de divan, qui s'installent confortablement sur leur divan pour ne pas affronter les routes parfois accidentées de la vie. Dans un contexte où les prêches se font par plusieurs manières, du fait du développement des canaux de communication, le dernier message du Christ peut être utilisé à d'autres fins. N'est-ce pas un prétexte de mise en garde? Le maître s'en va et donne à ses disciples la recommandation de la vigilance. Prenez garde, car arrivent de faux bergers qui, sous des traits apparents de bons pasteurs, ne cachent en profondeur qu'une identité de loup et de mercenaires. C'est le moment de la vigilance pour nous tous, disciples. Et cette invite est d'autant plus actuelle que nous voyons notre pays devenir le théâtre de plusieurs mouvements spirituels, pour ne pas dire de spiritisme, mouvement qui se réclame à tort du Christ guérisseur, en alimentant chez les fidèles une psychose permanente d'être la cible de tel ou tel autre mauvais esprit. L'ascension est célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec les apôtres. Il s'élève pour entrer dans la gloire de Dieu qui est aussi promis aux fidèles. Cette solennité annonce également la venue du Saint-Esprit. Et puis la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguin se prépare. L'église se dit satisfaite des engagements pris par l'État du Sénégal. Le comité d'organisation a rencontré les parties prenantes au cours d'un CRD. Philomène Constance Gagne. La rencontre fut brève car aucune préoccupation majeure n'a été soulignée. Tous les services du ministère ont jusque-là respecté leur engagement pour le bon déroulement du pèlerinage marial 2017. On est allé très vite
comme vous l'avez dit. Donc ça veut dire effectivement que nous sommes satisfaits, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une satisfaction en tout cas à demi mesure. Nous attendons bien évidemment la tenue de la manifestation d'abord, qui a quand même ses particularités, mais surtout ses difficultés, parce que c'est une manifestation en dehors des habitations, mais aussi qui nécessite beaucoup d'efforts, notamment une marche, en plus qui réunit beaucoup de jeunes. Et donc c'est une population particulière et qui fait, pose des questions de sécurité, qui pose des questions de santé. En tout cas, un certain nombre de choses qui font que nous sommes obligés en tout cas de continuer d'être particulièrement regardants sur la tenue de cette manifestation. Cette année, la sécurité des fidèles sera renforcée avec l'augmentation du nombre des agents de forces de l'ordre. On l'a dit tout à l'heure, chaque année, c'est des fidèles encore qui augmentent en nombre. Et je crois que pour cela, nous avons aussi le devoir de veiller quand même à la sécurité de ces citoyens pèlerins qui sont venus justement donc à cette manifestation. Du côté de l'église, on est rassuré en attendant quelques réajustements en cours. Tous les chefs de service présents ont donné leur engagement ou émis certaines réserves qui restent à suivre. Et là-dessus, nous sommes plutôt rassurés en sortant de cette rencontre par rapport à ce qu'il y avait à faire et ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Une dernière réunion d'évaluation est prévue la semaine prochaine pour faire le point sur les besoins qui ont été exprimés. Les Sénégalais pourront retirer leur carte d'identité biométrique avant les élections législatives, ceux qui ont déposé une demande, bien sûr. L'assurance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui présidait à Thiès ont cerné sur le pèlerinage marial de Popanguine. Et pour montrer ce qui se fait présentement, Abdoulaye Daouda Diallo a convié les journalistes à une visite de l'unité de production des cartes à la direction de l'automatisation du fichier. Philomène Constance Diagne. Les inscriptions étaient projetées à 4 millions, un chiffre largement dépassé, évalué à 6 millions actuellement. Pour permettre aux citoyens de retirer leur carte, un important dispositif a été déployé. Pour ceux qui craignent de ne pouvoir entrer en possession de leur carte, le ministre rassure. À l'époque, nous avions souhaité et accepté d'avoir un comité de suivi du processus électoral en général. Ce comité, malheureusement, a été boycotté par l'opposition. Ce qui se passe, c'est que nous avons produit, et d'ailleurs le DGE était hier sur le plateau de la RTS pour expliquer la situation, donc aux alentours de 3 millions de cartes, et nous pensons effectivement pouvoir réaliser le reste d'ici donc la tenue des élections. C'est comme ça, les cartes seront disponibles avant le début des élections, ça c'est clair, avant le 30 juillet. Jusque-là, peu de cartes ont été distribuées, 1 100 000 selon la SENA. Pour plus d'efficacité, l'organisation a été revue. Aujourd'hui, nous avons près d'un 1 500 000 cartes dans nos locaux à la date d'hier. Et nous voulions trier ces cartes qui sortaient par arrondissement et par département. Nous voulions les trier par commune et à l'intérieur de la commune par centre d'enrôlement. Et dans les box, nous voulions les trier aussi par ordre alphabétique. Nous avons constaté hier que lorsqu'une carte sortait, elle restait encore dans nos murs entre 2 et 3 semaines. Et aujourd'hui, nous sommes critiqués de rétention de cartes, simplement parce que nous avions préféré faire sortir de nos ateliers des cartes qui étaient déjà triées et qui étaient dans des box par ordre alphabétique et éclatées par centre d'enrôlement. Mais nous constatons donc que cela crée une certaine inquiétude au niveau de la population. Nous avons donc décidé depuis hier de faire partir les cartes au niveau des sous-préfectures. Et à partir de cette semaine, vous allez voir un million ou un peu plus d'un million de cartes qui vont arriver progressivement sur les arrondissements et au niveau des préfectures. Pas d'inquiétude à se faire donc. Le ministère est à pied d'œuvre dans la production et la distribution au niveau des communes, malgré les craintes des populations. Parce que nous produisons actuellement près de 70 000 cartes par jour. Si vous considérez que 70 000 cartes par jour pour des gens qui travaillent 7 jours sur 7, nous aurons près de 490 000 cartes par semaine. Donc il n'y a aucune inquiétude à ce que nous arrivions d'ici la fin du mois de juin à produire les cartes qui permettront aux Sénégalais d'aller donc vers les urnes.
Ce que je confirme aujourd'hui, c'est que les cartes, en tout cas, sont en production et à chaque fois qu'elles sont produites, elles sont conditionnées et envoyées justement dans les collectivités pour pouvoir être distribuées à leur ayant droit. Donc il n'y a pas de rétention possible. Je ne vois pas quel intérêt je pourrais donc détenir la carte de quelqu'un dès lors que cette personne est bel et bien inscrite justement donc sur le fichier électoral. Peut-être la rétention devrait être à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas. Les Sénégalais sont invités à aller récupérer leurs cartes au niveau des points de retrait mis en place. En attendant, le ministère continue d'assurer sa mission afin d'éviter des désagréments aux citoyens. Organisation du pèlerinage à la Mecque 2017 est la première année des réformes initiées par l'État du Sénégal. Pour cette édition placée sous le sceau de la libéralisation, les voyagistes privés doivent se conformer au cahier des charges. Le délégué général au pèlerinage a rappelé les règles en cours lors d'un point de presse à Rougui Touba. Pour une meilleure organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, le gouvernement a opté pour une libéralisation par une démarche graduelle. Le gouvernement ne va pas céder les 100% des pèlerins aux voyages privés d'un coup. Il va les céder graduellement en tenant compte de ceux qui ont des agréments dûment obtenus et de la capacité technique administrative des organisations. Les capacités des voyagistes privés seront évaluées, une évaluation qui ne sera faite que si le nouveau cahier de charges est respecté. On pourrait même dire qu'il y a une inflation d'organisations qui ont respecté le cahier de charges dans la phase administrative. Maintenant, il y a la phase opérationnelle sur le terrain. Et sur la base de cette phase opérationnelle sur le terrain, l'évaluation permettra de comprendre et de voir quelles sont les organisations qui ont véritablement les capacités techniques, financières, administratives, morales. Et sur cette base, il y aura une réévaluation et une redistribution. Les voyagistes privés sont tenus de respecter les règles édictées pour conserver leur agrément. Grand coup de balai donc dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Dissolution des anciens agréments, restructuration, régularisation et surtout transparence et rigueur dans l'octroi des nouvelles autorisations sont les maîtres mots. Pour être agréé, il faut se soumettre aux exigences d'un cahier des charges. Les grandes lignes de ces nouvelles réformes avec Aurélie Cham. Repenser toute l'organisation et la gestion du pèlerinage à la Mecque, telle a été l'ambition du gouvernement du Sénégal qui a introduit de nombreuses nouvelles réformes pour cette année. Toutes les structures avaient été dissoutes en décembre et les compteurs remis à zéro afin de mieux contrôler, assainir et réorganiser ce milieu grâce à un nouveau cahier de charges. Il y en avait qui, des gens qui vraiment faisait ce travail avec beaucoup d'amateurisme, mais maintenant c'est devenu très sérieux, c'est devenu plus professionnel. Il n'y a que 1000 qui sont transportés par la délégation générale. Les 9500 sont transportés par les organisations privées. Mais les organisations privées, ne l'oublions jamais, transportent 10500 ou 9500 Sénégalais qui sont sous la responsabilité de l'État. Puisqu'ils sont sous la responsabilité de l'État, l'État ne peut pas les laisser sans pour autant savoir comment on les transporte, où on les transporte, quels sont les services qu'on leur offre, quand est-ce qu'ils vont quitter le Sénégal, dans quelles conditions ils vont vivre en Arabie Saoudite et dans quelles conditions ils vont revenir dans ce pays-là. Désormais, les structures fonctionnent de manière permanente dans un local aménagé à cet effet. Elles doivent également créer de l'emploi avec un minimum de 2 employés par structure et être en règle avec les institutions sociales et fiscales. Autre nouveauté, les agences sont passées à près de 300, mais toutes les organisations doivent fournir une caution bancaire et se retrouver au sein des regroupements afin d'avoir des entités plus puissantes qui vont faire voyager 50% des 9500 pèlerins octroyés au privé en vol direct avec une compagnie saoudienne. Des mesures nouvelles qui laissent tout de même certains voyagistes sceptiques, même si les autorités rassurent ces derniers. On nous impose, à nous les privés, 50% dans cet avion. Un billet qu'on vend à 1 200 000. Mais des discussions, des préalables, des schedules, des arrangements. Les schedules, c'est les arrangements de vol dont nous, privés, nous ne faisons pas partie.
Voilà les réformes. Voilà les réformes. Et ce sont des couacs. Le fait que 50% de nos pèlerins, le président de la République choisisse qu'au moins 50% de nos pèlerins soient transportés par vol direct, c'est parce que le président veut que le bien-être des pèlerins soit respecté, que le pèlerin ne soit pas fatigué, que le pèlerin ne soit pas éreinté, que le pèlerin ne soit pas victime dans l'organisation du pèlerinage. Cette année sera donc une année test dans ce processus de privatisation encadré du pèlerinage à la Mecque par les autorités sénégalaises aux côtés des organisateurs privés. Un partenariat public-privé en bonne voie. Les réformes ont permis aux nouveaux agréés comme nous réellement de faire partie des gens qui convoient et qui organisent le Hajj. Moi, je dirais que c'est un avantage. De deux aussi, on a créé ce qu'on appelle les regroupements. Les regroupements constituent une certaine force parce que déjà, ça permet de réguler certains niveaux. Pour ceux-là qui sont les têtes de file, à mieux diriger réellement une équipe. À quelques semaines du Hajj 2017, les jalons de cette nouvelle structuration ont été ainsi posés. Les voyagistes continuent à se dire inquiets, mais la délégation continue à rassurer ses partenaires en leur montrant que l'État sera toujours à leur côté pour la réussite du pèlerinage à la Mecque. Au Maroc, le roi Mohamed VI vient d'inaugurer 6 médersas modernes avec restauration. Il avait lancé ce programme il y a 3 ans de cela pour réhabiliter des monuments historiques. Sa Majesté compte créer la réplique au Sénégal avec des daras modernes à l'image de ces médersas. Envoyés spéciaux au Maroc, Yves Dionou et Cher Bambagueye. La ville de Fès au Maroc est une cité moderne très développée. Fès est également une ville spirituelle. Ici, dans la médina de Fès, vieille de plusieurs siècles, c'est une population enthousiaste qui a réservé un accueil chaleureux à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Après des travaux de grande envergure qu'il avait lancés ici même le 4 mars 2013, Sa Majesté vient de réceptionner 6 madrassas. L'hébergement des étudiants qui suivent ici des études islamiques renferme tout le confort pour leur épanouissement. 6 médersas, 94 chambres et 101 lits, des travaux d'envergure qui ont suscité l'enthousiasme de toute la population de Fès. Ces médersas ont été restaurés et Sa Majesté avait donné, que Dieu l'assiste, avait donné ses ordres à ce que ces monuments de manière générale reviennent à leur fonction initiale pour donner plus de sens, pour donner plus de vie à cette ville, pour donner plus d'attractivité. D'où les médersas Sefarine et Mohamedia abritent déjà des étudiants. Le processus de réhabilitation était un processus très particulier parce qu'il a, il fallait relier le savoir-faire ancestral avec toutes les sciences de l'ingénierie, les sciences de l'architecture, les sciences sociales, archéologiques, calligraphiques, tout ce que vous voulez. Donc le travail ne se fait pas à l'aveuglette, c'est un travail qui est scientifique, qui se fait avec des mesures, qui se fait avec des analyses, qui se fait avec des synthèses pour aboutir à des projets viables. Dans ces universités du savoir islamique, le roi Sa Majesté Mohamed VI a fait le tour de la ville en se rendant dans les 6 médersas qu'il vient de restaurer. Ici, les étudiants sont de différentes nationalités. Ils apprécient les conditions d'apprentissage aisées mises en place par Sa Majesté. On est là pour prendre des études islamiques. Bon, ici, dans la mosquée Karawin, c'est l'ancienne université. On peut dire que bon, c'est le premier université dans le monde. Bon, on est là. Bon, alhamdulillah, je suis en deuxième année. Ces monuments où l'on dispense le savoir islamique font partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. À travers cet acte, Sa Majesté le roi Mohamed VI compte créer la réplique au Sénégal avec des daras modernes à l'image de ses médersas de Fès. Un projet salué par l'UNESCO à travers sa directrice générale qui loue les efforts du président Macky Sall dans le domaine de l'éducation. Le Sénégal joue un rôle important sur le
dialogue entre les cultures, entre les religions. Il faut parler, bien sûr, et je sais que le président Macky Sall parle beaucoup de la modération, de la jeunesse, de donner les compétences aux jeunes d'être tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est un grand effort, mais je crois que le Sénégal avance sur ce chemin avec, je dirais, beaucoup de succès. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a donc donné des orientations fermes à la directrice générale de l'UNESCO d'accompagner le dialogue des cultures et des religions et des civilisations. Et pour cela, il a insisté sur l'exemplarité du Sénégal en la matière. Le Sénégal qui entretient d'ailleurs de très solides relations avec le Royaume du Maroc. Au nord du Sénégal, les travaux de la piste Richard Toll Niassanté avancent à un rythme satisfaisant. Constat des responsables du PUDC, la réalisation de ce tronçon devrait fortement contribuer au désenclavement de ce village. Niassanté abrite un important marché hebdomadaire. Papouna Tchaoua. Ces engins sont à l'œuvre au niveau du PK22 de la piste Richard Toll Niassanté. Elle fait un linéaire de 33 km. Les 22 sont déjà praticables. Il ne reste plus que les 11 qui sont en cours de réalisation. C'est une piste longue de 33 km. Bon, Richard Toll Niassanté, elle est large de 6 mètres et l'épaisseur de la couche de roulement, c'est prévu 25 cm. Donc cette piste est reliée Richard Toll à Niassanté. La piste traverse une zone sablonneuse difficile d'accès. À terme, elle sera d'un grand apport pour le marché hebdomadaire de Niassanté. Tous les mercredis, le marché grouille de monde. Les populations viennent des villages et hameaux voisins pour s'approvisionner en vivres et produits de toutes sortes. Mais pour arriver à Niassanté, il faut d'abord trouver un chauffeur courageux. Le chauffeur qui est venu, il est venu à Niassanté. C'est pas n'importe quel chauffeur qui accepte de venir ici à Niassanté. Même si des clients, il n'en manque pas souvent. Il faut avoir beaucoup d'audace et prendre le risque de perdre son véhicule. La construction de la piste est une surprise agréable pour ces populations qui disent qu'elles n'ont jamais bénéficié des projets de l'État. Nous remercions vivement le président Macky Sall qui a réalisé cette piste, même pour les évacuations médicales à Richard Toll ou à Dagana. Il n'y aura plus de soucis. Même ceux qui ont besoin de la vie, tous nos besoins se compliquent davantage en période d'hivernage à cause de l'inaccessibilité. La piste nous apporte un grand soulagement. Non loin du marché, un bâtiment fait office de poste de santé. Sur place, un infirmier en service depuis plus de 2 décennies. Une carrière marquée par un souvenir douloureux lié au mauvais état de la route. On avait une malade qui devait accoucher et qui avait un problème de dystocie. Alors, on n'a pas pu trouver de moyens de transport même. De ce fait, on n'avait pas de moyens de transport. Il y avait une machine, une machine qui était là en train de faire les pare-feu. Bon, on a pu décrocher la machine et on a mis la femme là-dessus. Arrivé en cours de route, la machine s'est embourbée. Elle a passé la nuit là-bas. Et en fin de compte, arrivé à Richard Toll, il se trouvait qu'elle était en état de saignement. Et elle a perdu la vie comme ça. Ça fait 6 ans de cela. Bon, c'est un fait qui me marque beaucoup. Une histoire tragique qui confirme l'urgence et l'utilité de la piste. Quand la piste sera terminée, ce serait vraiment quelque chose de merveilleux. Ce serait très, très bon. Parce que vraiment, on avait besoin de ça. On avait besoin de ça. L'émergence pour ces populations, c'est d'abord l'accessibilité et le désenclavement. Des besoins pris en charge par le programme d'urgence et développement communautaire, le PUDC, grâce à ses réalisations, apporte un nouveau souffle à ces populations. Et puis la route d'Iguiraï-Nioro-Cœur-Aïb sera livrée à la fin de ce mois. Les travaux sont presque terminés et portent sur 40 km. Plus de 20 milliards ont été injectés sur cet axe. D'autres aménagements sont prévus pour les populations. Hamidou Diop. Voici la route Nioro-Dinguiraï-Cœur-Aïb. 40 km entièrement réhabilitée.
Il y a quelque temps, c'était le calvaire ici. Aujourd'hui, le décor a changé. Car 90% des travaux de reconstruction sont terminés. Les travaux de la route principale de Dinguéra jusqu'à Kuraïb sont pratiquement terminés. Comme vous pouvez le constater, on a démarré les travaux de signalisation horizontale et verticale. Et normalement, avant la fin du mois, tous les travaux sur la route principale seront terminés, de même que la signalisation horizontale et verticale. L'axe routier Nioro-Dinguéra-Kuraïb est une composante des corridors Dakar-Bamako et Dakar-Conakry par le sud. La réhabilitation a coûté plus de 22 milliards de francs CFA et prévoit en plus de cette route 75 km de pistes rurales. Le groupe élargi de coordination et de concertation des partenaires techniques et financiers du Sénégal est satisfait du déroulement des travaux. Et comme vous voyez, effectivement, c'est un projet intégré. Il y a non seulement la réhabilitation d'un tronçon routier extrêmement important qui était un chaînon manquant du corridor transgambien, la route Dinguéra-Nioro-Caraïbes, qui va à la frontière de la Gambie. Lorsqu'on traverse, on a effectivement le fleuve Gambie, sur lequel on est en train également de construire un pont. Oui, donc c'est fort des constats antérieurs. Vraiment, au niveau de la conception de cette route, on a été très prudente. On a beaucoup misé sur la qualité. On a adopté une structure vraiment très solide. On a fait deux couches de latérissement, fondation et couche de base d'épaisseur 20 cm. En plus de ça, on a réalisé une couche de liaison de 8 cm en gras bitume, ce qui est une première au Sénégal. Souvent, on a l'habitude d'adopter la gras bitume au niveau des grands axes, tels qu'au niveau du port, les routes qui mènent vers le port, là où vraiment il y a de gros porteurs. Mais là, c'est la première fois qu'en rase campagne, on adopte une route avec une grave bitume d'une épaisseur aussi consistante de 8 cm. Ces partenaires ont mis en place un groupe de coordination pour mieux harmoniser leurs interventions dans le cadre de l'appui qu'ils apportent au gouvernement du Sénégal, mais également structurer un dialogue avec le gouvernement du Sénégal en vue de mieux l'accompagner dans sa stratégie de développement économique et social. Cette réhabilitation concerne aussi des travaux pour les communes de Nioro et de Kuraïb. Des salles de classe, des murs de clôture, un important lot d'équipement agricole et un centre de formation en froid sont destinés au groupement de femmes. Le 7 décembre prochain, c'est la date retenue pour l'inauguration de l'aéroport international de Dias. Tout est presque fin prêt pour l'ouverture du deuxième aéroport international du Sénégal. Les techniciens de l'AIBD l'ont révélé au cours d'une visite guidée réservée spécialement aux élus locaux du département de Thiès. Maman Moussazian. Apparemment, tout est fin prêt pour le décollage et l'atterrissage des avions. De même, 3 millions de passagers au moins peuvent désormais fréquenter l'aéroport de Dias. Ceci indique simplement la vision de nos chefs d'État. D'abord, le président Abdoulaye Wade, mais également le constructeur, le bâtisseur, son excellence le président Macky Sall, Dieu a fait que c'est également entre ses mains aujourd'hui que cet aéroport va être finalisé pour être inauguré, Inch'Allah, le 7 décembre 2017. Cet outil, dont les travaux ont duré presque 10 ans et qui fait maintenant la fierté des Sénégalais, surtout ceux qui habitent dans les environs de l'aéroport, à qui les retombées de l'infrastructure pourraient profiter. Nous sommes la commune de Dias, contents. À l'image du maire de Dias, ceux de Yen, de Thiès, de Sali ont montré toute leur satisfaction à la suite de la réalisation de cet aéroport. Ma conviction est que l'aéroport international est devenu une réalité. Qu'actuellement, un avion peut décoller ou atterrir à l'aéroport sans problème. Cet aéroport va nous permettre même de révolutionner un peu la Thiès et son bassin de vie. Je suis très content et puis de féliciter le président de la République, mais de féliciter aussi le gouvernement, mais de féliciter aussi vraiment le directeur de l'AIBD. Vraiment, on n'a rien à dire. Là, c'est nickel comme on a l'habitude de dire. Je pense que bientôt les gens verront le bébé sortir. La visite guidée a mené les élus locaux dans les différents compartiments de l'aéroport. Elle a abouti à une séance qui a réuni les élus autour de la direction de l'aéroport pour des échanges consacrés à un partenariat solide qui devrait les réunir. Ce projet n'appartient pas seulement au président de la République ni à AIBD. Il appartient d'abord au premier chef, aux populations impactées
il appartient au premier chef aux communes environnantes, il appartient au premier chef au Sénégal tout entier. Je pense qu'au stade actuel, tout le monde est satisfait. Regardez, si on regarde l'air de surpris hein, de ceux qui sont venus, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à trouver un aéroport presque totalement achevé. Ils ont été, je pense aussi, comme tout le monde, impressionnés par la qualité des travaux. La direction générale de l'aéroport a dit toute sa disponibilité à collaborer avec ses voisins directs du département de Thiès pour un bon fonctionnement de l'aéroport et s'est engagée ensuite à tout faire pour que ces femmes et jeunes soient les premiers bénéficiaires de l'aéroport. C'est l'une des révélations de cette semaine. L'investissement privé a atteint cette année au Sénégal 1 665 milliards en fait. En autre fait de taille, 87% de cet investissement est porté par le secteur privé national, un secteur qui se dit capable de faire plus. C'est le sujet de la rubrique économie de ce jeudi avec Aram Daoua. Il fait partie de ces Sénégalais dont le nom évoque l'investissement privé. MSN, plus de 200 employés à son actif, à travers ses sociétés qui évoluent dans le tourisme d'affaires, l'hôtellerie, le transport et la location de voitures. Les 87% de l'investissement privé dont ils sont crédités au Sénégal, eux du secteur privé national, un signal fort à ceux qui les sous-estimaient il y a quelques années, lâche-t-il. Parce que moi-même, j'ai été victime de cela. Je voulais investir, mais on m'a minimisé. C'est vrai qu'on m'avait accordé des agréments, mais on ne m'a pas considéré comme un gros investissement. Donc c'est là que j'ai su que vraiment l'État mésestimait les hommes d'affaires, les investisseurs sénégalais. Mais je pense que maintenant, il y a un rectificatif qui se fait. Et je sais qu'au niveau de la PIX, l'investisseur sénégalais, en tout cas les hommes d'affaires sénégalais, sont beaucoup plus en charge. Ces Sénégalais qui font la fierté de l'investissement privé, ils sont dans la minoterie, l'agriculture, l'agro-business, entre autres. Nous avons vu tout dernièrement Framissima être racheté par un Sénégalais. Il faut le dire, c'est beaucoup d'investissement. Donc il faut que l'État continue à accompagner ces Sénégalais. Parce que le Sénégal, de toute façon, ne se fera pas sans les Sénégalais. Qu'on ouvre le capital dans les grands projets. Vous voyez par exemple AIBD, c'est le vent en poupe. Quand il y a de bonnes choses qui sont attrayantes, il faut que le Sénégalais, l'État, nous ouvre ses portes. Cet État affiche en tout cas sa conscience du poids et du potentiel de ce secteur privé, qui est d'ailleurs sollicité dans le financement du PSE. L'État a en charge la réalisation des infrastructures majeures. Le secteur privé vient porter sur des projets d'exploitation et des projets de création d'emplois. C'est ça qui est attendu du secteur privé à hauteur de 60% sur le financement du plan Sénégal émergent. Et en la matière d'ailleurs, dans la responsabilité de l'État ou sa prise en charge des grands projets d'infrastructures, l'État a mis en place un dispositif organisationnel au niveau législatif, c'est-à-dire la mise en place de la loi PPP. Pouvoir compter sur son secteur privé national, plus que crucial dans ce monde incertain. Au niveau international, il y a une certaine contraction de l'investissement privé étranger. Mais fort heureusement, au niveau national, on a un regain de dynamisme de l'investissement national, quelque chose qui est très important. Il faudrait arrondir certains angles pour que l'impact, notamment en termes d'emploi, notamment en termes de transfert technologique, en termes de partenariat, puisse vraiment être faire partie, disons, du ressenti et du vécu au niveau de l'économie. Et c'est à ce, disons, dernier challenge, dernier défi auquel le PSC s'attend. C'est aussi le challenge du ministère de la Promotion des Investissements qui veut même explorer les opportunités dans les régions. À Thiès, il y a une vocation industrielle dans la ville de Thiès, une vocation chemin de fer. Dakar peut être un secteur des services. La zone de Saint-Louis-Matam, une zone à forte dimension agro-industrielle. Donc nous avons à cœur de finaliser, c'est déjà quasiment fait, le programme de territorialisation des réformes de l'environnement des affaires. Réformes pour dire valoriser les opportunités.
explorer le potentiel des acteurs du secteur privé où qu'ils se trouvent, dans les régions, dans la diaspora ou dans la capitale. Le leitmotiv de la promotion des investissements. Son Excellence le Président Macky Sall a été plus loin en donnant la possibilité au dispositif de projet d'être admis au niveau du régime des zones économiques spéciales intégrées. C'est-à-dire, on peut avoir des zones économiques orientées activités industrielles, comme c'est le cas très souvent dans les pays qui veulent développer leur exportation. Mais le Sénégal a ouvert cette possibilité aux zones économiques spéciales touristiques, aux zones économiques spéciales agricoles. C'est ça qui consacre pour les prochains cycles ce qu'on appelle la batterie des réformes XXL pour l'investissement. L'enjeu est de taille. 1 665 milliards ont été investis au Sénégal par des privés. 87% de cette manne portée par des Sénégalais qui, en plus, se disent pouvoir faire beaucoup mieux. Vers la mise en place d'une ligne aérienne directe Dakar-Montréal, Montréal-Dakar, c'est l'un des résultats du Forum économique du Sénégal au Canada. Avec cette mutation, le bureau économique du Québec à Dakar devient une délégation générale comme celle de Paris. Plus de détails dans ce récit de Daraba. Le bureau économique du Québec à Dakar va devenir une délégation. C'est l'une des retombées majeures de la troisième édition du Forum économique du Sénégal au Canada. Cette année, puisque nous avons de nouveaux budgets, lors du dernier budget, nous allons faire en sorte que cette représentation, dont le bilan est très positif pour la première année, va devenir une délégation générale du Québec à Dakar. C'est une première pour le Québec d'avoir une délégation générale. Et pour nous, bien, c'est le signal que les choses vont bien et que les choses peuvent aller encore mieux, on peut se développer davantage. Cette décision de portée historique vient compléter la série d'accords que le Sénégal et le Canada ont eu à signer. Des pays qui ont réaffirmé encore leur volonté d'avoir une ligne aérienne directe Dakar-Montréal. Cela est d'autant plus opportun aujourd'hui que dans quelques mois, nous allons inaugurer un des plus grands aéroports en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'aéroport international Blaise-Diagne. Le Canada a une très vieille tradition en matière de transport aérien. Les relations vont pouvoir donc se tisser autour justement de cette préoccupation que nous avons et que nous partageons. C'est sûr qu'il faut convaincre, les compagnies aériennes, il faut convaincre la rentabilité d'une telle aventure. C'est sûr que ça coûte des sous, c'est excessivement dispendieux, c'est excessivement cher, mais en même temps, on est convaincu qu'une liaison aérienne Dakar-Montréal, ferait exploser les relations commerciales. Cet ambitieux projet devrait aussi relancer les échanges commerciaux. Des échanges qui ont connu un regain d'intensité. Les échanges commerciaux, c'est-à-dire les exportations sénégalaises vers le Canada, sont passés de 1,3 million de dollars en 2013 à 8,5 milliards en 2015. Nous attendons encore les statistiques, les données de la part des Statistiques Canada pour l'année 2016, mais déjà les échos qu'on a, c'est-à-dire que nous sommes en très nette progression à ce niveau aussi. Nous nous en réjouissons parce que ce travail-là, c'est d'abord essayer de jouer sur la balance commerciale en faisant la promotion des exportations, mais aussi attirer l'investissement canadien vers le Sénégal. Les rencontres B2B au cœur de ce forum économique ont été précédées d'une cérémonie protocolaire au cours de laquelle le ministre en charge du PSE a annoncé les différentes mesures prises par le Sénégal pour améliorer son environnement des affaires, surtout avec le nouveau statut des zones économiques spéciales, un pari que le PSE avait pris au commencement. À ce titre, il me plaît de souligner au dernier conseil des ministres, la plupart des textes relatifs à l'amélioration du climat des affaires ont été adoptés, ce qui augure d'une amélioration significative du classement du Sénégal au prochain Doing Business. Le Sénégal a gagné ainsi en attractivité aux investissements directs étrangers à travers la simplification
la dématérialisation des procédures administratives, l'amélioration du cadre juridique et fiscal et la réduction des coûts des facteurs de production, tout en faisant du statut de zone économique spéciale un statut désormais appliqué aux investisseurs de tout bord. Des engagements qui ont impacté sur les rencontres B2B entre Sénégalais et Canadiens. Ça nous a permis non seulement de représenter le secteur privé national, de faire le plaidoyer à la promotion des très petites entreprises qui sont au Sénégal pour développer un modèle économique de joint venture avec des entreprises qui sont ici. La coopération canadienne est en train de faire de mettre en place une politique et initiative permettant aux entreprises canadiennes de venir au Sénégal travailler avec les entreprises sénégalaises. Nous avons rencontré des gens intéressés par le développement de la Falaise, mais également le développement de Bouloudou en termes de financement, d'études complémentaires et d'études complémentaires pour la Falaise et d'études de prospection géophysique pour Bouloudou. Le Nouveau-Brunswick, seule province canadienne officiellement bilingue, qui était à sa première participation, a aussi des ambitions pour notre pays, surtout dans le domaine de la formation professionnelle et technique. On a une expertise au Nouveau-Brunswick et de la formation postsecondaire à l'Université de Moncton et dans ses trois campus, ainsi qu'à travers le réseau des collèges communautaires qui, eux, justement, se spécialisent en formation professionnelle et technique. On souhaite vraiment que le Sénégal, à travers les formations qu'on peut offrir, soit sur place, soit en ligne, ou même délocalisées au Sénégal, qu'on puisse offrir des formations intéressantes qui vont contribuer au développement économique du Sénégal. En somme, le bureau économique de l'ambassade du Canada, maître d'œuvre de ce forum économique, a non seulement relevé le défi de l'organisation, mais celui de la participation, avec plus de 300 entreprises qui ont répondu présentes à l'appel du Sénégal, un pays sur les pas de l'émergence. Nous recevons dans cette édition Madame Mariam Diawara Thiaw, secrétaire permanent du Sénégal, à l'ITE, secrétaire permanent ITE Sénégal. Alors bonsoir Madame Thiaw. Bonsoir Monsieur Diawara. Vous êtes là pour nous parler de ce colloque international sur les enjeux de l'exploitation pétrolière et gazière en Afrique. Alors pourquoi un tel événement? Est-ce que c'est dû à ce foisonnement autour des dernières découvertes dans notre pays en la matière? Arriver. Mais d'abord, c'est vrai, je confirme, le comité national ITE organise un colloque sur le thème les enjeux de la production, les enjeux de l'exploitation pétrolière et gazière en Afrique, les 26 et 27 mai au King Fahd Palace, sous le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Donc le but, c'est de tirer des leçons des expériences passées et présentes en Afrique, et aussi d'identifier des bonnes pratiques qui pourraient servir et à des pays comme le Sénégal qui tendent à devenir des pays producteurs de pétrole et de gaz. Alors le Sénégal a son pétro-gaz. Vous travaillez en intelligence avec justement ce comité. Pour info, le président du comité national ITIE est membre du COS pétro-gaz. Alors, de quoi est-ce qu'il va s'agir au-delà des expériences tirées dans le passé et dans l'actualité récente en Afrique? Quelles sont les perspectives qui pourraient sortir justement de cette rencontre? D'abord, peut-être qu'il faut replacer le colloque en contexte. Rappeler que le colloque, c'est d'abord l'ITIE, c'est la norme qui a été mise en place en 2002 à Johannesburg, à laquelle le Sénégal a adhéré en 2013. Et ce qui lui a permis d'obtenir le statut de pays candidat. Et grâce à ce statut, le Sénégal s'est engagé à produire tous les ans des rapports indiquant l'état des recettes et des paiements issus du secteur extractif reçus à date pendant l'année, sur le courant de l'année. Donc voilà, c'est le GMP qui est au Sénégal. C'est une plateforme multi-actorielle qui comporte des représentants de l'État, des organisations de la société civile et des entreprises qui en charge de mettre en œuvre cette norme au Sénégal. Donc le but en fait du GMP avec ces rapports, c'est de mettre à la disposition du public sénégalais des données à jour, des données qui leur permettent de les outiller en fait
pour participer au débat dans le contexte, comme vous dites, de découverte du pétrole et du gaz, et aussi avec l'horizon, la perspective de l'exploitation pétrolière et gazière qui se profile à l'horizon 2021. Alors, quand vous parlez de GMP, ça veut dire quoi? C'est le groupe multipartite, excusez-moi. C'est le groupe multipartite qui est en charge, en fait, qui donne, c'est l'organe délibérant. Et il est assisté du secrétariat technique, qu'au Sénégal on appelle le secrétariat permanent, dont je suis le secrétaire, enfin le secrétaire permanent, le représentant ici, voilà, qui est en charge de mettre en œuvre la norme au Sénégal. Voilà, donc c'est le groupe multipartite. Alors il y a beaucoup de débats autour justement de ces découvertes du pétrole et du gaz au Sénégal. Est-ce que cette rencontre pourrait amener justement tout le monde à comprendre les enjeux du futur? On l'espère, parce que justement on espère pouvoir stimuler une réflexion qui permette de sortir avec un schéma directeur pour le Sénégal et aussi de comprendre un peu comment ça s'est passé dans d'autres pays en Afrique et d'éviter les mêmes erreurs de ton. Parce que bon, on a l'habitude de parler de la malédiction des ressources naturelles. On espère qu'avec ce colloque, nous allons avoir une meilleure compréhension parce que c'est des experts internationaux de la Banque mondiale, par exemple, de l'African Petroleum Organization, APO. Nous avons aussi des experts locaux, donc de Petrocène, du COSPETROGAS, justement, entre autres, et des consultants locaux, donc qui vont intervenir justement pour aider à mieux comprendre ce qu'on peut faire pour éviter justement de tomber dans les mêmes travers. Est-ce que les groupes ou les entreprises qui devraient participer à l'exploration ou à l'exploitation de ces ressources sont partie prenante de cette rencontre? Effectivement, ces entreprises seront représentées parce que justement, là, certaines sont dans le collège des entreprises au sein du GMP, sont représentées. Par exemple, nous avons Forteza, Kern Energy dans le GMP. Donc elles seront de la partie. Les entreprises seront là. Ça, on peut... Voilà, alors affirmatif. Ça commence demain et ça va se faire... Ça commence demain, le 26, donc, toute la journée et une partie de la journée du samedi. Donc, en principe, à 14h30, ça sera la clôture. Nous allons suivre tout cela avec vous, Madame Mariam Diawara Thiaw. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent ITE Sénégal et que vous organisez un colloque international sur les enjeux de l'exploitation pétrolière et gazière en Afrique, en vous inspirant justement des expériences du passé dans le continent. Merci à vous. Rénovation des cités religieuses, réforme des retraites et autres politiques sociales en faveur du troisième âge. Toutes ces réformes ont été débattues ce matin par le Conseil national des sages républicains au cours d'une réunion de partage. Les sages ont aussi réaffirmé leur engagement aux côtés du chef de l'État à promouvoir les valeurs citoyennes. C'était en présence du ministre porte-parole du gouvernement et d'autres autorités, Oumou Baldé. Les sages républicains partagent autour des réalisations du président de la République au profit du troisième âge. Cette couche de la population a été très tôt érigée en priorité dans la politique sociale de l'État. La rénovation des cités religieuses, la réforme des retraites et autres chantiers en cours ont été cités en exemple. L'éventail est large, mais retenez qu'en direction des personnes du troisième âge et des collectivités religieuses, la communauté religieuse et coutumière, le président de la République veut faire un rééquilibrage. Il faut restituer la responsabilité de ces personnes du troisième âge qui sont les greniers et les responsables de toute la charge sociale. Il me semble que nous devons nous accouder, nous devons nous appuyer sur ces ressources dont disposent ces personnes âgées avant de les perdre, de manière à développer davantage nos communautés. Donc, dans une perspective de développement, dans une perspective d'émergence, nous avons besoin de ces personnes âgées. Cette réunion bilan a été aussi une occasion d'émettre de nouvelles idées pour accompagner les politiques de développement du Sénégal. Ça a été un très grand moment d'échange. Et ce moment a été bouclé par un appel à la compréhension, un appel au support des politiques du chef de l'État, qui sont des politiques sociales, qui sont des politiques économiques, qui sont des politiques de tout genre pour mener à bien l'émergence du pays. Durant tout le mois de juin, nous allons organiser des ateliers. Nous allons aller vers les cellules, nos cellules départementales,
pour les outiller, c'est-à-dire restituer ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc, le rafraîchir la mémoire sur les réalisations du chef de l'État en direction des personnes du troisième âge et des foyers religieux. Ensuite, également, leur donner quelques notions de communication pour qu'ils puissent, au moment de la campagne électorale, qu'ils puissent donc communiquer avec les populations. Dans cette dynamique, le Conseil national des sages veut poursuivre la promotion des valeurs citoyennes pour que les élections à venir soient apaisées. En général, on prête une oreille attentive aux sages. Signature de convention entre le Conservatoire national des arts et métiers CNAM de France et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal. Le CNAM s'engage à accompagner le dit ministère dans la formation des apprenants. Sédina Elunfal. Cela fait maintenant 5 mois que la convention cadre de coopération bilatérale entre le Conservatoire national des arts et métiers CNAM de France et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal a été signée. Un document paraphé lors de la visite d'État du président Macky Sall en France, déplacement au cours de laquelle il a reçu le titre et les insignes de docteur honoris causa du CNAM. Établissement de référence en matière de formation, le CNAM s'est engagé à accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur. Une délégation du CNAM a participé au premier comité de pilotage de l'accord cadre CNAM ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le CNAM n'a pas vocation, bien au contraire, à imposer des formations. Le CNAM souhaite porter en co-construction sous et grâce à la tutelle bienveillante du ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal, les filières les plus adaptées. Nous n'avons pas vocation, et ça serait extrêmement présomptueux de notre part, de nous substituer le moins du monde aux établissements sénégalais qui font du très bon travail, mais nous avons vocation à apporter ce que nous savons faire sur la question de la formation des formateurs. Nous souhaitons qu'un certain nombre d'apprentis de France puissent venir se former dans des entreprises au Sénégal et qu'il y ait la réciproque. Je dirais que c'est un chantier qui s'ouvre. Le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers de France, compte travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans la formation, la recherche et l'enseignement à distance. Le volet formation des formateurs. Formation des formateurs, surtout à l'attention des ISEP. Nous en avons besoin parce que le Sénégal, dans le cadre de sa politique de professionnalisation des offres de formation, est en train de mettre en place un important réseau d'instituts supérieurs de formation professionnelle, les ISEP. La politique à terme vise à mettre en place au moins un ISEP dans chacune des régions du Sénégal. Donc 14 ISEP qui d'une part renforcent la politique d'élargissement de la carte universitaire, mais orientent aussi les formations vers les métiers. Le CNAM a signé des accords cadres avec l'UCAD et l'Université virtuelle du Sénégal. Le Conservatoire national des arts et métiers va effectuer une série de visites de sites industriels afin de mieux adopter ces actions de formation. La lutte contre les maladies tropicales négligées se poursuit sur l'étendue du territoire. Le district sanitaire de Kolda a étalé ses activités sur 5 jours. Les jeunes en âge scolaire ont constitué la cible prioritaire et les autorités médicales ont travaillé en étroite collaboration avec celle de l'éducation. À Kolda, il existe beaucoup de facteurs qui exposent à ces maladies. Omar Djawa. Kolda, comme le reste du pays, s'est mise à l'heure de la campagne de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et c'est une erreur que de croire que ces MTN sont une vue de l'esprit. Ces maladies qui sont là, c'est des maladies que nous négligeons. Et pourtant, c'est des maladies qui tuent. Tous les jours, on les voit au niveau de la population. Les images qui sont là, on voit ça très fréquemment. Selon les zones, les maladies à l'agenda diffèrent. Le district de Kolda a inscrit son action sur une programmation de 5 jours avec 3 maladies ciblées. Les EELMENTIAS, communément appelés les vers intestinaux. Il y a la bilharziose, mais aussi il y a la filariose lymphatique. Les enfants en âge scolaire sont vulnérables aux différentes bilharzioses et aux vers intestinaux. Dès lors, les écoles et les DARA sont particulièrement visées. Cette campagne-là va nous aider à cerner toutes ces maladies-là. Souvent en plein cours, nous avons des problèmes, même avec des gosses qui sortent, qui nous disent que nous avons des maux de ventre, ainsi de suite. Dans les écoles, les apprenants sensibilisés par les maîtres ne montrent aucune difficulté à prendre leur dose protectrice. Au total, moi j'ai 17 écoles élémentaires
deux CM et un lycée. L'inspection de l'éducation et de la formation suit de près les opérations suivant une procédure codifiée. Ce processus commence par d'abord un pas important, à savoir l'hygiène des mains. Dès lors que la cible la plus importante est constituée par des jeunes, les autorités académiques et celles sanitaires ont travaillé ensemble. La collaboration entre l'académie et la région médicale, elle est effective. Elle est beaucoup plus opérationnelle entre les IF, les districts sanitaires. C'est une collaboration vraiment gagnant-gagnant entre les deux secteurs. Il existe dans cette zone déshéritée des comportements à risque qui favorisent la transmission de plusieurs maladies. Une eau de cette nature peut-elle purifier devant Dieu? Les facteurs favorisants, c'est souvent d'abord le manque d'hygiène. Important, que ça soit l'hygiène individuelle ou l'hygiène collective. Pendant qu'un groupe d'écolières passe son chemin, un gamin qui aurait dû se trouver ailleurs plonge ses mains dans un nid de microbes. Plus loin, un autre limite, ailleurs, une bande joyeuse de petits chenapans qui ne savent rien des menaces sanitaires quotidiennes. C'est bientôt le mois de Ramadan et avant de se consacrer à ce pilier de l'islam, ce constat, nombre de femmes changent leur garde-robe. Le marché est bien approvisionné en tissus légers et en coton adéquat pour la chaleur. Mais ces produits se bousculent au moment où les femmes se font encore rares. Fatima Tabanelba. Les femmes changent de garde-robe à presque toutes les périodes de l'année. Et le Ramadan ne fait pas exception. À la veille du mois béni, un tour au marché HLM a permis de constater que le coton est privilégié. On vend un gros, on fait que du coton. Oui, ça marche fort. Et les vendeuses savent comment ça se passe au Sénégal, sous la chaleur ardente. Donc, elles en profitent pour stocker leur bagage. Le marché est encore timide. Les commerçants attendent toujours les clientes qui se font désirer. Mais ils gardent foi que d'ici la fin du mois, les choses vont s'améliorer. Il n'y a pas encore l'influence, mais on espère. Par rapport aux années précédentes, cette heure, tu vois beaucoup de monde. Mais ces temps-ci, ce n'est pas le cas. Comme vous le voyez comme ça, parce qu'il n'y a personne. Et je pense que c'est lié à ces temps-là, les difficultés. Ces difficultés économiques n'ont cependant pas empêché quelques rares femmes de venir faire leurs emplettes. Aujourd'hui, j'ai le temps. Je me suis dit que mieux vaut aller faire mes courses que d'attendre plus tard. Peut-être que je n'aurai pas le temps de le faire. Les tissus assez légers, décontractés, nous permettent de bouger comme on peut et d'être à l'aise pendant toute la journée. Ça facilite nos déplacements et en plus, on est en période de chaleur. Je suis venue ici pour prendre des prêt-à-porter pour aller avec ça en Côte d'Ivoire. Oui, du mois de carême là. Je suis venue acheter pour charger ma boutique. Je cherche des brodés, des cotons, des tulles, mais aussi des voiles. Et mes clientes m'attendent avec impatience. Les vendeurs de boubou prêt-à-porter et de foulards aussi espèrent faire de bonnes affaires bientôt. Nous vendons plus des marinières en voile. Les clients viennent petit à petit. Le prix des foulards varie de 1 000 à 2 500. On n'a pas encore vu de clientes, mais on espère les voir bientôt. Le marché est donc bien approvisionné en tissus. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. En attendant de trouver acheteurs, les vendeurs rangent tranquillement les marchandises, bien en vue du public. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Elle nous mène en Grèce, au Brésil, mais nous démarrons par le Kenya où 5 policiers ont trouvé la mort dans une attaque au nord du pays. C'est Dina Lunfal. 5 policiers kenyans ont été tués ce jeudi par l'explosion d'un engin au bord d'une route dans le nord-est du pays. Drame qui survient au lendemain de 2 autres attentats similaires qui ont fait 8 morts côté policiers. Lucas Papademos, l'ancien premier ministre grec, a été blessé par l'explosion d'un engin dissimulé dans une enveloppe à l'intérieur de sa voiture ce jeudi à Athènes. 69 ans, les jours de Lucas Papademos ne sont pas en danger. Papademos a été premier ministre de 2011 à 2012 à la tête d'un gouvernement de coalition au plus fort de la crise financière grecque. Artisan de la destitution de Dilma Rousseff, Michel Temer se trouve à son tour aux abois. Empêtré dans des affaires de pots de vin à Brasilia, des milliers de personnes ont manifesté pour son départ.
Les demandes de destitution se multiplient au Parlement. Ses alliés hésitent à le lâcher avant de lui trouver un successeur, mais les concertations ont commencé. L'Église sénégalaise demande à ses fidèles de s'impliquer davantage dans la marche du pays. Une visite à la direction de l'automatisation du fichier pour rassurer. Tout le monde pourra retirer sa carte biométrique avant les élections législatives prévues en juillet. Déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daoudé Diallo. Le patronat sénégalais fait davantage dans le patriotisme économique. 87% de l'investissement privé qui a atteint 1 665 milliards en 2017 provient de nos chefs d'entreprise. Le secteur privé du Sénégal se dit apte à faire beaucoup mieux. Et puis le reportage du jour porte sur le Ramadan et les bonnes manières. Les attitudes changent et ça se confirme sur le marché. Les tissus qui favorisent un peu plus de décence ont la cote. Les clientes ne se bousculent pas encore mais affûtent sans doute leurs armes pour des tenues en mode Ramadan. Bienvenue et bonsoir à tous. Le président de la République a reçu en audience Serine Mamor Maké, Ibn Serine Murtada. Le guide religieux a salué les efforts de l'État dans l'enseignement supérieur arabe. Il a remercié le chef de l'État pour son constant soutien à l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. Il a également évoqué avec le président de la République sa tournée internationale afin de propager les enseignements du fondateur du mouridisme. L'Ascension, qui commémore la montée du Christ vers le ciel, est célébrée ce jeudi, précisément 40 jours après Pâques. Cette solennité fêtée à travers le monde est l'occasion pour les célébrants d'appeler les fidèles chrétiens à être témoins de la foi. À la cathédrale de Dakar, les prêtres ont invité les paroissiens à ne pas être dans la contemplation, mais plutôt dans l'action des chrétiens actifs pour la bonne marche de leur société. Jean Dior. La montée de Jésus au ciel, qui désormais siège à la droite du Père, c'est ce vécu que les chrétiens du monde professent en ce jour de l'ascension du Christ. Au son du cor et des battements des mains, les fidèles sont appelés à être témoins de leur foi, mais aussi des acteurs pour toujours. L'ascension sonne l'heure de la responsabilité du chrétien, appelé à témoigner de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, et de ce qu'il a touché du verbe de vie, comme dit l'apôtre Jean. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est donc pas que contemplation, mais se veut aussi action. Et dès lors, il nous faut nous approprier les paroles du Saint-Père aux jeunes dans son message pour la journée mondiale. Le pape les invitait à ne pas être des jeunes de divan, qui s'installent confortablement sur leur divan pour ne pas affronter les routes parfois accidentées de la vie. Dans un contexte où les prêches se font par plusieurs manières, du fait du développement des canaux de communication, le dernier message du Christ peut être utilisé à d'autres fins. N'est-ce pas un prétexte de mise en garde? Le maître s'en va et donne à ses disciples la recommandation de la vigilance. Prenez garde, car arrivent de faux bergers qui, sous des traits apparents de bons pasteurs, ne cachent en profondeur qu'une identité de loup et de mercenaires. C'est le moment de la vigilance pour nous tous, disciples. Et cette invite est d'autant plus actuelle que nous voyons notre pays devenir le théâtre de plusieurs mouvements spirituels, pour ne pas dire de spiritisme, mouvement qui se réclame à tort du Christ guérisseur, en alimentant chez les fidèles une psychose permanente d'être la cible de tel ou tel autre mauvais esprit. L'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec les apôtres. Il s'élève pour entrer dans la gloire de Dieu qui est aussi promis aux fidèles. Cette solennité annonce également la venue du Saint-Esprit. Et puis la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguin se prépare. L'Église se dit satisfaite des engagements pris par l'État du Sénégal. Le comité d'organisation a rencontré les parties prenantes au cours d'un CRD. Philomène Constance Diagne.
La rencontre fut brève car aucune préoccupation majeure n'a été soulignée. Tous les services du ministère ont jusque-là respecté leur engagement pour le bon déroulement du pèlerinage marial. Les schedules, c'est les arrangements de vol dont nous, privés, nous ne faisons pas partie. Voilà les réformes. Et ce sont des couacs. Le fait que 50% de nos pèlerins, le président de la République choisisse qu'au moins 50% de nos pèlerins soient transportés par vol direct, c'est parce que le président veut que le bien-être des pèlerins soit respecté, que le pèlerin ne soit pas fatigué, que le pèlerin ne soit pas éreinté, que le pèlerin ne soit pas victime dans l'organisation du pèlerinage. Cette année sera donc une année test dans ce processus de privatisation encadré du pèlerinage à la Mecque par les autorités sénégalaises aux côtés des organisateurs privés. Un partenariat public-privé en bonne voie. Les réformes ont permis aux nouveaux agréés comme nous réellement de faire partie des gens qui convoient et qui organisent le Hajj. Moi, je dirais que c'est un avantage. De deux aussi, on a créé ce qu'on appelle les regroupements. Les regroupements constituent une certaine force parce que déjà, ça permet de réguler certains niveaux. Pour ceux-là qui sont les têtes de file, à mieux diriger réellement une équipe. À quelques semaines du Hajj 2017, les jalons de cette nouvelle structuration ont été ainsi posés. Les voyagistes continuent à se dire inquiets, mais la délégation continue à rassurer ses partenaires en leur montrant que l'État sera toujours à leur côté pour la réussite du pèlerinage à la Mecque. Au Maroc, le roi Mohamed VI vient d'inaugurer 6 médersas modernes avec restauration. Il avait lancé ce programme il y a 3 ans de cela pour réhabiliter des monuments historiques. Sa Majesté compte créer la réplique au Sénégal avec des daras modernes à l'image de ces médersas. Envoyés spéciaux au Maroc, Yves Dionou et Cheikh Bamba Gueye. La ville de Fès au Maroc est une cité moderne très développée. Fès est également une ville spirituelle. Ici, dans la médina de Fès, vieille de plusieurs siècles, c'est une population enthousiaste qui a réservé un accueil chaleureux à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Après des travaux de grande envergure qu'il avait lancés ici même le 4 mars 2013, Sa Majesté vient de réceptionner 6 madrassas. L'hébergement des étudiants qui suivent ici des études islamiques renferme tout le confort pour leur épanouissement. 6 médersas, 94 chambres et 101 lits, des travaux d'envergure qui ont suscité l'enthousiasme de toute la population de Fès. Ces médersas ont été restaurés et Sa Majesté avait donné, que Dieu l'assiste, avait donné ses ordres à ce que ces monuments de manière générale reviennent à leur fonction initiale pour donner plus de sens, pour donner plus de vie à cette ville, pour donner plus d'attractivité. D'où les médersas Sefarine et Mohamedia abritent déjà des étudiants. Le processus de réhabilitation a été un processus très particulier parce qu'il fallait relier le savoir-faire ancestral avec toutes les sciences de l'ingénierie, les sciences de l'architecture, les sciences sociales, archéologiques, calligraphiques, tout ce que vous voulez. Donc le travail ne se fait pas à l'aveuglette, c'est un travail qui est scientifique, qui se fait avec des mesures, qui se fait avec des analyses, qui se fait avec des synthèses pour aboutir à des projets viables. Dans ces universités du savoir islamique, le roi Sa Majesté Mohamed VI a fait le tour de la ville en se rendant dans les 6 médersas qu'il vient de restaurer. Ici, les étudiants sont de différentes nationalités. Ils apprécient les conditions d'apprentissage aisées mises en place par Sa Majesté. On est là pour prendre des études islamiques. Bon, ici, dans la mosquée Karawine, c'est l'ancienne université. On peut dire que bon, c'est le premier université dans le monde. Bon, on est là, bon, alhamdoulilah, je suis en deuxième année. Ces monuments où l'on dispense le savoir islamique font partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. À travers cet acte, Sa Majesté le roi Mohamed VI compte créer la réplique au Sénégal avec
avec des daras modernes à l'image de ces médersas de Fès. Un projet salué par l'UNESCO à travers sa directrice générale qui loue les efforts du président Macky Sall dans le domaine de l'éducation. Sénégal joue un rôle important sur le dialogue entre les cultures, entre les religions. On est allé très vite, comme vous l'avez dit. Donc ça veut dire effectivement que nous sommes satisfaits, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une satisfaction en tout cas à demi-mesure. Nous attendons bien évidemment la tenue de la manifestation d'abord, qui a quand même ses particularités, mais surtout ses difficultés, parce que c'est une manifestation en dehors des habitations, mais aussi qui nécessite beaucoup d'efforts, notamment une marche, en plus qui réunit beaucoup de jeunes. Et donc c'est une population particulière et qui pose des questions de sécurité, qui pose des questions de santé. En tout cas, un certain nombre de choses qui font que nous sommes obligés en tout cas de continuer d'être particulièrement regardants sur la tenue de cette manifestation. Cette année, la sécurité des fidèles sera renforcée avec l'augmentation du nombre des agents de force de l'ordre. On l'a dit tout à l'heure, chaque année, c'est des fidèles encore qui augmentent en nombre. Et je crois que pour cela, nous avons aussi le devoir de veiller quand même à la sécurité de ces citoyens pèlerins qui sont venus justement donc à cette manifestation. Du côté de l'église, on est rassuré en attendant quelques réajustements en cours. Tous les chefs de service présents ont donné leur engagement ou émis certaines réserves qui restent à suivre. Et là-dessus, nous sommes plutôt rassurés en sortant de cette rencontre par rapport à ce qu'il y avait à faire et ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Une dernière réunion d'évaluation est prévue la semaine prochaine pour faire le point sur les besoins qui ont été exprimés. Les Sénégalais pourront retirer leur carte d'identité biométrique avant les élections législatives, ceux qui ont déposé une demande, bien sûr. L'assurance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui présidait à Thiès ont cerné sur le pèlerinage marial de Popanguine. Et pour montrer ce qui se fait présentement, Abdoulaye Daouda Diallo a convié les journalistes à une visite de l'unité de production des cartes à la direction de l'automatisation du fichier. Philomène Constance Diagne. Les inscriptions étaient projetées à 4 millions, un chiffre largement dépassé, évalué à 6 millions actuellement. Pour permettre aux citoyens de retirer leur carte, un important dispositif a été déployé. Pour ceux qui craignent de ne pouvoir entrer en possession de leur carte, le ministre rassure. À l'époque, nous avions souhaité et accepté d'avoir un comité de suivi du processus électoral en général. Ce comité, malheureusement, a été boycotté par l'opposition. Ce qui se passe, c'est que nous avons produit, et d'ailleurs le DGE était hier sur le plateau de la RTS pour expliquer la situation, donc aux alentours de 3 millions de cartes, et nous pensons effectivement pouvoir réaliser le reste d'ici donc la tenue des élections. C'est comme ça, les cartes seront disponibles avant la fin, avant le début des élections, ça c'est clair, avant le 30 juillet. Jusque-là, peu de cartes ont été distribuées, 1 100 000 selon la SENA. Pour plus d'efficacité, l'organisation a été revue. Aujourd'hui, nous avons près d'1 500 000 cartes dans nos locaux à la date d'hier. Et nous voulions trier ces cartes qui sortaient par arrondissement et par département. Nous voulions les trier par commune et à l'intérieur de la commune, par centre d'enrôlement. Et dans les box, nous voulions les trier aussi par ordre alphabétique. Nous avons constaté hier que lorsqu'une carte sortait, elle restait encore dans nos murs entre 2 et 3 semaines. Et aujourd'hui, nous sommes critiqués de rétention de cartes, simplement parce que nous avions préféré faire sortir de nos ateliers des cartes qui étaient déjà triées et qui étaient dans des boxes par ordre alphabétique et éclatées par centre d'enrôlement. Mais nous constatons donc que cela crée une certaine inquiétude au niveau de la population. Nous avons donc décidé depuis hier de faire partir les cartes au niveau des sous-préfectures. Et à partir de cette semaine, vous allez voir un million ou un peu plus d'1 million de cartes qui vont arriver progressivement sur les arrondissements et au niveau des préfectures. Pas d'inquiétude à se faire donc. Le ministère est à pied d'œuvre dans la production et la distribution au niveau des communes, malgré les craintes des populations. Parce que nous produisons actuellement près de 70 000 cartes par jour. Si vous considérez que 70 000 cartes par jour pour des gens qui travaillent 7 jours sur 7, nous aurons près de 490 000 cartes
par semaine. Donc il n'y a aucune inquiétude à ce que nous arrivions d'ici la fin du mois de juin à produire les cartes qui permettront aux Sénégalais d'aller donc vers les urnes. Il faut parler, bien sûr, et je sais que le président Macky Sall parle beaucoup de la modération, de la jeunesse, de donner les compétences aux jeunes d'être tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est un grand effort, mais je crois que le Sénégal avance sur ce chemin avec, je dirais, beaucoup de succès. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a donc donné des orientations fermes à la directrice générale de l'UNESCO d'accompagner le dialogue des cultures et des religions et des civilisations. Et pour cela, il a insisté sur l'exemplarité du Sénégal en la matière. Le Sénégal qui entretient d'ailleurs de très solides relations avec le Royaume du Maroc. Au nord du Sénégal, les travaux de la piste Richard Toll-Niassanté avancent à un rythme satisfaisant. Constat des responsables du PUDC, la réalisation de ce tronçon devrait fortement contribuer au désenclavement de ce village. Niassanté abrite un important marché hebdomadaire. Papouna Tchaoua. Ces engins sont à l'œuvre au niveau du PK-22 de la piste Richard Toll-Niassanté. Elle fait un linéaire de 33 km. Les 22 sont déjà praticables. Il ne reste plus que les 11 qui sont en cours de réalisation. C'est une piste longue de 33 km. Bon, Richard Toll-Niassanté, elle est large de 6 mètres et l'épaisseur de la couche de roulement, c'est prévu 25 cm. Donc cette piste est reliée Richard Toll à Niassanté. La piste traverse une zone sablonneuse difficile d'accès. À terme, elle sera d'un grand apport pour le marché hebdomadaire de Niassanté. Tous les mercredis, le marché grouille de monde. Les populations viennent des villages et hameaux voisins pour s'approvisionner en vivres et produits de toutes sortes. Mais pour arriver à Niassanté, il faut d'abord trouver un chauffeur courageux. Le chauffeur qui est venu, il est venu à Niassanté. Ce n'est pas n'importe quel chauffeur qui accepte de venir ici à Niassanté. Même si des clients, il n'en manque pas souvent. Il faut avoir beaucoup d'audace et prendre le risque de perdre son véhicule. La construction de la piste est une surprise agréable pour ces populations qui disent qu'elles n'ont jamais bénéficié des projets de l'État. Nous remercions vivement le président Macky Sall qui a réalisé cette piste, même pour les évacuations médicales à Richard Toll ou à Dagana. Il n'y aura plus de soucis. Nous avons besoin de se compliquer davantage en période d'hivernage à cause de l'inaccessibilité. La piste nous apporte un grand soulagement. Non loin du marché, un bâtiment fait office de poste de santé. Sur place, un infirmier en service depuis plus de deux décennies. Une carrière marquée par un souvenir douloureux lié au mauvais état de la route. On avait une malade qui devait accoucher et qui avait un problème de dystocie. Alors, on n'a pas pu trouver de moyens de transport même. De ce fait, on n'avait pas de moyens de transport. Il y avait une machine qui était là en train de faire les pare-feu. Bon, on a pu décrocher la machine et on a mis la femme là-dessus. Hein. Arrivé en cours de route, la machine s'est embourbée. Elle a passé la nuit là-bas. Et en fin de compte, arrivé à Richard Toll, il se trouvait qu'elle était en état de saignement. Et elle a perdu la vie comme ça. Ça fait 6 ans de cela. Hein. Bon, c'est un fait qui me marque beaucoup. Une histoire tragique qui confirme l'urgence et l'utilité de la piste. Quand la piste sera terminée, ce serait vraiment quelque chose de merveilleux. Ce serait très, très bon. Parce que vraiment, on avait besoin de ça. On avait besoin de ça. L'émergence pour ces populations, c'est d'abord l'accessibilité et le désenclavement. Des besoins pris en charge par le programme d'urgence et développement communautaire, le PUDC, grâce à ses réalisations, apporte un nouveau souffle à ces populations. Et puis la route d'Iguiraï-Nioro-Cœur-Aïb sera livrée à la fin de ce mois. Les travaux sont presque terminés et portent sur 40 km. Plus de 20 milliards ont été injectés sur cet axe. D'autres aménagements sont prévus pour les populations. Hamidou Diop.
voici la route Nioro Dingirai. Ce que je confirme aujourd'hui, c'est que les cartes, en tout cas, sont en production. Et à chaque fois qu'elles sont produites, elles sont conditionnées et envoyées justement dans les collectivités pour pouvoir être distribuées à leur ayant droit. Donc il n'y a pas de rétention possible. Je ne vois pas quel intérêt je pourrais donc détenir la carte de quelqu'un dès lors que cette personne est bel et bien inscrite justement donc sur le fichier électoral. Peut-être la rétention devrait être à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas. Les Sénégalais sont invités à aller récupérer leurs cartes au niveau des points de retrait mis en place. En attendant, le ministère continue d'assurer sa mission afin d'éviter des désagréments aux citoyens. Organisation du pèlerinage à la Mecque 2017 est la première année des réformes initiées par l'État du Sénégal. Pour cette édition placée sous le sceau de la libéralisation, les voyagistes privés doivent se conformer au cahier des charges. Le délégué général au pèlerinage a rappelé les règles en cours lors d'un point de presse à Rougui Atouba. Pour une meilleure organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam, le gouvernement a opté pour une libéralisation par une démarche graduelle. Le gouvernement ne va pas céder les 100% des pèlerins aux voyages privés d'un coup. Il va les céder graduellement en tenant compte de ceux qui ont des agréments dûment obtenus et de la capacité technique administrative des organisations. Les capacités des voyagistes privés seront évaluées, une évaluation qui ne sera faite que si le nouveau cahier de charges est respecté. On pourrait même dire qu'il y a une inflation d'organisations qui ont respecté le cahier de charges dans la phase administrative. Maintenant, il y a la phase opérationnelle sur le terrain. Et sur la base de cette phase opérationnelle sur le terrain, l'évaluation permettra de comprendre et de voir quelles sont les organisations qui ont véritablement les capacités techniques, financières, administratives, morales. Et sur cette base, il y aura une réévaluation et une redistribution. Les voyagistes privés sont tenus de respecter les règles édictées pour conserver leur agrément. Grand coup de balai donc dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Dissolution des anciens agréments, restructuration, régularisation et surtout transparence et rigueur dans l'octroi des nouvelles autorisations sont les maîtres mots. Pour être agréé, il faut se soumettre aux exigences d'un cahier des charges. Les grandes lignes de ces nouvelles réformes avec Auré Cham. Repenser toute l'organisation et la gestion du pèlerinage à la Mecque, telle a été l'ambition du gouvernement du Sénégal qui a introduit de nombreuses nouvelles réformes pour cette année. Toutes les structures avaient été dissoutes en décembre et les compteurs remis à zéro afin de mieux contrôler, assainir et réorganiser ce milieu grâce à un nouveau cahier de charges. Il y en avait qui, des gens qui vraiment faisait ce travail avec beaucoup d'amateurisme, mais maintenant c'est devenu très sérieux, c'est devenu plus professionnel. Il n'y a que 1000 qui sont transportés par la délégation générale. Les 9500 sont transportés par les organisations privées. Mais les organisations privées, ne l'oublions jamais, transportent 10500 ou 9500 Sénégalais qui sont sous la responsabilité de l'État. Puisqu'ils sont sous la responsabilité de l'État, l'État ne peut pas les laisser sans pour autant savoir comment on les transporte, où on les transporte, quels sont les services qu'on leur offre, quand est-ce qu'ils vont quitter le Sénégal, dans quelles conditions ils vont vivre en Arabie Saoudite et dans quelles conditions ils vont revenir dans ce pays-là. Désormais, les structures fonctionnent de manière permanente dans un local aménagé à cet effet. Elles doivent également créer de l'emploi avec un minimum de 2 employés par structure et être en règle avec les institutions sociales et fiscales. Autre nouveauté, les agences sont passées à près de 300, mais toutes les organisations doivent fournir une caution bancaire et se retrouver au sein des regroupements afin d'avoir des entités plus puissantes qui vont faire voyager 50% des 9500 pèlerins octroyés au privé en vol direct avec une compagnie saoudienne. Des mesures nouvelles qui laissent tout de même certains voyagistes sceptiques, même si les autorités rassurent ces derniers. On nous impose, à nous les privés, 50% dans cet avion. Un billet qu'on vend à 1,2 million. Mais des discussions, des préalables,